Salut et bienvenue à Dinard pour la 26e édition du Festival du film britannique. Les festivaliers vont pouvoir s'en donner à cœur joie 5 jours durant avec une sélection de films d'outre-Manche choisis par le malin Hussam Hindi et ses acolytes. Je vous invite dès maintenant à découvrir le résumé de cette toute première journée. Go ! C'est sous le soleil que débute ce 26e festival dédié au 7e art et ses salles obscures. Les files d'attente seront donc les seuls moments d'en profiter encore un peu. Principal lieu de projection cette année, le cinéma des Alizés, avec ses deux salles, sans oublier la salle Bouté, la salle Hitchcock et le balnéum. Gare aux Grandes Marées. C'est au balnéum justement qu'a eu lieu la masterclass de Jean-Pierre Berthomé, basée sur le superbe film Le Troisième Homme de Carol Reed. C'est une nouvelle fois le prestigieux Grand Hôtel Barrière qui va avoir pour mission de choyer notre jury tout au long du festival. Jury arrivé en début de soirée et accueilli comme il se doit par Madame le maire, Madame Kraveia-Schutz. Mais à peine le temps d'arriver et de signer quelques autographes, et les voilà tout beaux, tout neufs pour assister à leur première projection officielle. Festivalier, ton heure de voir des films en compète et en avant-première a sonné. Alors ouvre ton agenda et fais ton programme pour ce jeudi, il va y avoir de quoi faire. Voilà, tout a été vu pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite pour le résumé de la deuxième journée. N'hésitez pas à faire tourner nos vidéos et d'ici là, rêvez bien et bon film à Dinard. See you !